Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 11e dimanche du temps ordinaire de l'année B et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse Notre-Dame des Apôtres pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce dimanche, Jésus va puiser dans une réalité que nous connaissons bien, l'agriculture, pour nous parler du royaume des cieux. Dans la première parabole, nous avons trois acteurs principaux. Une semence, un terrain et un homme qui jette la semence en terre. Et pour qu'il y ait une bonne récolte, chacun des trois acteurs doit faire ce qui lui revient. La parabole dit que celui qui sème doit avoir deux attitudes afin que le grain puisse porter du fruit. La première attitude est d'attendre. Cette attente, frères et sœurs, signifie fondamentalement avoir confiance. Il s'agit d'abord d'avoir confiance dans la graine et dans la force qu'elle contient. La graine est le don de Dieu, et à ce titre, elle ne peut ne pas porter du fruit. Le semeur est aussi appelé, et c'est la deuxième attitude, à avoir confiance en la terre. C'est elle qui produit spontanément, comme le dit l'Évangile, l'herbe, puis l'épi, et enfin le blé, plein l'épi. Mais l'homme ne sait pas comment arrive ce mystère de maturation et de croissance de vie. La graine germe et grandit, mais elle le fait sans révéler le secret de sa force, sans montrer à personne son développement, un développement lent mais assuré. Ainsi, chers frères et sœurs, il ne s'agit pas seulement de savoir attendre, mais il faut aussi attendre en acceptant de ne pas savoir, de ne pas contrôler, de ne pas posséder le destin de la graine. Oui, frères et sœurs, les deux paraboles de ce dimanche nous précisent la logique de Dieu, la logique de son royaume, en affirmant que cette graine, c'est la plus petite des semences de la terre. Jésus lui-même nous montre par sa vie cette logique de Dieu. Lui, le Fils de Dieu, s'est fait le plus petit de tous et le plus pauvre. Il a été enterré au tombeau comme tous les hommes. Mais sa résurrection a été le point de départ, frères et sœurs, de la naissance de l'Église qui s'est étendue et s'est répandue jusqu'aux extrémités de la terre. Celle-ci a commencé petitement, avec un groupe d'hommes insignifiants, les apôtres, de petites gens, qui n'étaient pas des intellectuels, des hommes importants, c'est de simples gens.
Une parole donnée par un homme simple, Jésus-Christ lui-même, appelé le Fils du charpentier. Et nous voyons la grandeur exceptionnelle du fruit qu'elle porte 2000 ans après. Frères et sœurs, cet évangile nous rejoint donc fondamentalement dans notre vie de chrétien, notre vie de foi et donc de confiance à l'égard de Dieu et même de notre monde. Il nous faut voir aujourd'hui, frères et sœurs, le terrain que nous sommes nous-mêmes, le terrain qu'est notre vie. Il nous faut nous voir comme une terre qui est faite pour accueillir une semence de vie nouvelle, une semence de vie éternelle, capable de générer quelque chose qui va au-delà de nous-mêmes, qui va au-delà de ce que nous sommes. Cette semence nous fait entrer, chers frères et sœurs, dans le temps de Dieu, dans la vie de Dieu, dans l'éternité de Dieu. Mais ceci, chers frères et sœurs, demande de notre part de savoir attendre avec confiance et sans vouloir posséder la vie qui est semée en nous. Frères et sœurs, telle est donc la logique du royaume des cieux dans nos vies. Ce qui paraît pauvre, insignifiant, nous le voyons, peut avoir beaucoup de valeur aux yeux de Dieu et porter un fruit insoupçonné. Oui, frères et sœurs, une prière, un geste gratuit de charité, une parole de bienveillance, un travail accompli avec sérieux peut changer tout dans une vie, peut changer notre monde, peut changer notre propre vie. Frères et sœurs, à nous aujourd'hui, le Seigneur annonce une parole sûre. À nous, fidèles de Notre-Dame des Apôtres, à nous fidèles d'ailleurs, il n'y a pas de petite communauté chrétienne. Frères et sœurs, Dieu est à l'œuvre dans notre vie, dans nos paroisses, dans nos communautés. Dieu est à l'œuvre dans notre communauté, ici à Notre-Dame des Apôtres. Et le fruit de son travail en nous et au milieu de nous, frères et sœurs, nous surprendra et nous comblera de joie. Nous devons apprendre aujourd'hui, avec la parole que Dieu nous donne, à lui faire confiance. À faire confiance à notre monde, à ceux qui partagent notre vie au quotidien. Nous devons apprendre à faire confiance et à croire en nos familles, en nos pays et en notre communauté paroissiale. Dieu est à l'œuvre et la récolte sera bonne dans nos vies et dans notre communauté paroissiale. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Thank you.